tout voilà. Le monde pendant leur... Ça va. Alors qu'est-ce qui s'est passé sur Twitter alors, on se fait hijacker la conférence sur Twitter, il dit que des conneries. Alors, normalement, tu dois montrer ton zizi, t'as dit. T'as dit, tu dois montrer ton zizi. Ok. Pour ceux qui ne connaissent pas, en fait, c'est la petite amie de Mouloud Achour. J'assume totalement. C'est quand on après. Oui, je tourne une émission. Ça se passe bien? Oui, merci Sébastien. Alors maintenant, j'aimerais vraiment savoir comment tu vas trouver une chute à ta séquence vidéo. Mais il n'y a pas de chute, moi je suis là, on s'amuse, non? Ouais. Vous êtes venus pour moi? Oui. J'avoue que ça me fait rire parce qu'ils s'en prennent à poule parce que c'est hacker les gens comme ça, c'est une spécialité de poule de faire foirer les tournages des autres et qu'on lui fasse la vie. C'est vraiment dégueulasse, les gens qui viennent comme ça, qui foutent tout en l'air. Ça va, Toulouse, sinon? Ouais. Bon, on va vous laisser maintenant. Non, c'est Sébastien. J'ai déjà la moitié de la jambe mouillée. Ça a l'air très amusant par là. Qu'est-ce que tu fais? Il y a trop de stuff, en fait. Si je vais essayer de live tweeter le truc, en fait. Moi, j'aimerais qu'on vienne un petit peu sur ma famille. Parce que c'est quand même un média qui a une des plus grosses barbes ici. Pourquoi? Raconte-nous l'histoire de ta barbe. Il y a quelques temps, j'ai rencontré ce jeune homme et j'ai à tout prix voulu lui ressembler. Je suis fier aussi, parce que c'est un peu d'accord, franchement. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on était voisins, mais on vous en foutait en fait. Vous en foutez peut-être. Par exemple, si je balance des gobelets comme ça. Il y avait deux trucs pour faire sortir les jeunes du banlieue, c'était le sport et la télé. On se rend compte que la télévision n'est pas forcément un échappatoire. L'espoir, Ramayad. Alors, tout à l'heure, on nous a dit qu'il avait plein de blagues super mauvaises. Il faut en parler. Je suis vraiment gentil de t'aider là-dedans. C'est deux lesbiennes vampires qui sont dans un ascenseur. Et il y a une lesbienne vampire qui dit à une autre « Ah, on se retrouve au mois prochain. » Ça va être encore coupé comme là, quand ce que tu avais tourné à Japan Expo, tout ça. Non, mais parce que vous faisiez trop de sexe entre vous. Donc on n'avait pas pu montrer en fait. Et il faut que vous sachiez. Ah, c'est ça pour que vous partiez. Merci. Regardez bien ce jeune homme. S'il vous plaît, dès que vous le voyez tourner cet après-midi, essayez de lui pourrir toutes ses séquences. Je vous attends avec plaisir. Passez bien entre lui et la caméra et foirez toutes les scènes. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Sur Internet, il trip la bite sur Internet ou pas? Non, c'est... Ouais, je sais pas. Ouais, c'est une bonne question. Va pas falloir beaucoup de pixels. Beaucoup de pixels. Ah, je suis du mauvais. Gros pixels, j'arrive. J'ai un bout de la jambe aussi tout mouillé, mais je sais pas pour quelle raison. Est-ce que. Comment. Alors, Sandra. Des séries, oui, très bien. Bon, désolé, voilà. Au revoir, bonjour. Oui, alors j'ai deux questions. Oui. La première, pourquoi avoir spoilé la mort d'un personnage? Alors, comment ça spoiler? Comment ça? Avant le début de la saison 4. Avant, on disait qu'il y avait quelqu'un qui allait mourir dans oui. La. Ouais. Bah, c'était pour faire genre. Attention, on déconne pas. C'était pour faire ça. Je suis mon bureau. Non, c'était aussi c'était la dernière saison et on avait envie de... Un peu de teaser, d'exciter. De teaser, ouais, pour donner envie aux gens de regarder et se dire, mais merde, qu'est-ce qui va se passer, tu vois. Et puis pour clairement dire que c'est la fin. Et puis aussi, on savait que le changement de décor allait aussi déstabiliser les gens. Et donc, il fallait qu'on...
qu'on donne envie, quoi. Déstabilisant qu'il y a des choses qui allaient changer, quoi. Tu vois. Parce que si t'es pas prévenu et que les choses changent, bah des fois, tout de suite, tu dis « C'est pas bon, c'est pas bien !» et que tu regardes pas. Bah, moi, je le sais, je le fais tout le temps. Donc, mais moins sur ma série, parce que j'ai plus de goût sur ma série. C'est quoi ta série ? Ok. Bah, je sais pas, tu dis ma série. Karate Boy. Ah. Tu sais, j'ai tout inventé sur Karate Boy. Ah oui, c'est vrai. Je croyais que c'était François Descraques qui écrivait. Non, mais en tout cas, le visiteur du futur, c'est moi qui vais reprendre. En fait, Ankama va avoir les droits. Et j'ai prévu d'en faire une série porno. Mais. C'est vrai, avec les gens Ankama, ils vont virer François. Imaginez la fille, comment elle est contente. Le mec jouit à l'intérieur d'elle. D'accord. Et là, il se téléporte. Il revient tout de suite après. Et il recommence. C'est infini, quoi. Infini. Ah, François approuve. Attendez, on va pas dire. Baby, comment tu appellerais cette spin-off ? J'ai oublié, je sais, c'est l'enfoutoir du futur. Voilà, l'enfoutoir du futur.